Moi, je suis Amandine Lagarde, secrétaire générale de l'Union pour l'Enfance, qui est une association de protection de l'enfance. Et moi, je suis Caroline Eskenazi, je suis auteure, et notamment la maman de ce premier roman qui s'appelle Les 12 travaux d'Emeraude Kelly et qui est sorti au mois de novembre dernier aux éditions Erol. Je suis également la créatrice de ce tarot qui s'appelle le tarot des chats, le 4 tarot, qui est sorti aux éditions Le Scarabéo en 2016. Ce projet est né d'une volonté de notre association Union pour l'Enfance qui existe depuis plus de 130 ans et qui avait besoin de rappeler ses valeurs, 5 valeurs fortes. Elle voulait réunir à la fois tous les professionnels et le grand public autour de ces 5 valeurs. L'objectif de ce projet, c'est vraiment de faire une immersion dans le secteur de la protection de l'enfance, mieux cerner les enjeux du secteur, de mieux cerner les problématiques des jeunes qu'on accompagne au quotidien dans nos établissements, et aussi les problématiques des professionnels. Donc l'objectif, c'est de parler de tout ça, et en même temps d'être accessible, de manière à ce que le grand public, tout éducant, tout professionnel, puisse reconnaître et en tout cas apprendre de cet ouvrage. On voulait que ce soit un livre accessible par tous. On a décidé de faire un ouvrage à deux voix et donc de travailler avec une auteure. Donc la première étape, ça a été vraiment toute une étape de coordination du projet, et puis travailler avec Caroline pour lui faire découvrir le secteur de la protection de l'enfance et qu'elle s'en imprègne, exactement. Puis ensuite, on a travaillé sur le contenu, à la fois les problématiques et les histoires de vie que pouvaient rencontrer les personnages de son roman, et en même temps sur les problématiques que nous on voulait aborder plus dans notre partie, la partie éclairage professionnel. Donc on a travaillé tout ça ensemble. Après il y a eu la phase de rédaction en ce qui me concerne, donc on a rédigé toute la partie union, et on a tout remis en commun, des relectures, etc. Donc c'est un projet qui dure à peu près un an au total pour chaque tome. Et on avait vraiment à cœur qu'il y ait une partie institutionnelle qui joue qui fasse un peu une partie de ping-pong avec la partie fictive, que les deux se répondent, interagissent et s'alimentent l'une l'autre. J'avais vraiment à cœur de créer une saga. Et je me disais, comme toute saga, il faut qu'elle ait aussi un titre qui soit fort, que bien sûr on rappelle les thématiques qui sont traitées au long des ouvrages, mais qu'il y ait aussi un titre global qui soit le titre de la saga. J'avais cette idée des anges gardiens, en fait, de tous ces gens qui travaillent dans les associations et de tous les professionnels de l'accueil, qui sont des anges gardiens pour les enfants. Or, comme les ouvrages sont quand même très centrés sur les enfants, ben, je me suis dit, je vais transposer ça, et au lieu des anges gardiens, ce sera les anges gardés. C'est comme ça que m'était venue l'idée du titre. Un titre qui correspond plus à la partie romancée écrite par Caroline, et un titre qui correspond à la partie professionnelle et qui rappelle le sujet, la valeur qui est déclinée dans le tome en question. Je voulais justement mettre en avant le fait que c'était un livre qui avait été écrit à deux voix. Alors l'approche psychoéducative, c'est notre troisième valeur. En tout, on en a cinq. C'est une approche très positive qui s'appuie sur les réussites de la personne, qui envisage tout individu dans son ensemble et dans un environnement donné, ce qui fait qu'il y a une approche vraiment globale et une prise en charge globale de la personne. C'est une science sociale qui vient du Québec. Là-bas, ils sont précurseurs en matière d'accompagnement social, notamment dans le secteur de la protection de l'enfance. Depuis plusieurs années, l'Union pour l'enfance essaie de s'en inspirer et de faire venir les méthodes québécoises en France et de les intégrer dans les pratiques des professionnels. Donc dans ce tome-là, on essaie de vulgariser quelques concepts de la psychoéducation. C'est vrai qu'au départ, je ne connaissais vraiment rien de rien aux thématiques que connaissent l'Union pour l'enfance et Amandine. Vraiment, je ne connaissais rien du tout. Et quand on s'est rencontrés avec Amandine, on a commencé par faire des réunions avec ses collaboratrices pour que, comme je le disais tout à l'heure, je m'imprègne vraiment de tous les sujets qu'elle traite au quotidien dans son travail. Et puis ensuite, j'ai rencontré des professionnels aussi de l'accueil, des éducateurs, des familles d'accueil. J'ai vu des vidéos qui mettaient en scène des enfants qui avaient été placés et qui racontaient un petit peu leur parcours. J'ai vu aussi des films de fiction qui parlent de ce genre de thème, comme La tête haute. Et du coup, j'ai absorbé toutes ces informations-là, je les ai laissées infuser. Et puis ensuite, j'ai laissé travailler mon imagination, parce que c'est quand même aussi un peu le principe de mon métier d'auteur, c'est que mon imagination puisse se projeter dans la tête de personnages fictifs. Et ce que je voulais vraiment, c'était que les personnages que j'allais créer soient évidemment le plus près possible de la réalité, qu'ils ne soient pas désincarnés, qu'ils ne soient pas éthérés, qu'ils soient vraiment raccord avec ce qui se passe dans la vraie vie.
Et je voulais aussi, comme on était parti sur la création de quatre personnages principaux, je voulais vraiment que ces personnages soient très différents les uns des autres, qu'ils aient chacun des tempéraments marqués et contrastés, et que du coup ça puisse couvrir un large panel de profils et que ça puisse restituer au mieux la vérité du placement des enfants. Et oui, c'est une saga, il y a 5 tomes puisqu'on a 5 valeurs qu'on a souhaité donc décliner. C'est donc la troisième qu'on développe une par an. Donc il nous en reste encore 2 à développer. 2 ans de travail encore et 2 livres à paraître. 2 aventures, et en plus on est parti, on a fait comme dans les Harry Potter, c'est-à-dire que chacun des tomes se déroule sur une année scolaire et donc on suit les personnages pendant une année scolaire et on les voit grandir pendant 5 ans. Et à chaque âge, des problématiques différentes se présentent et donc plein de nouvelles choses à dire. Alors la particularité en fait elle concerne beaucoup plus la partie fictive que la partie institutionnelle parce que pour ce tome 3 j'avais décidé de corser un petit peu à la fois l'écriture et les intrigues. En fait, pour dire les choses crûment, j'avais envie d'en faire morfler à mes personnages. Parce que je trouvais que dans les 2 premiers tomes, il y avait. Enfin, c'était très positif et finalement ce qui leur arrivait se terminait toujours bien. On était dans quelque chose qui était relativement, parce que bon, on est quand même dans des parcours d'enfants placés, donc c'est pas non plus forcément très très marrant, mais on était quand même dans quelque chose d'assez rose et d'assez sucré malgré tout. Et là j'avais envie vraiment de leur rendre les choses plus difficiles, j'avais envie qu'ils aient des épreuves à affronter, qu'ils les aguerrissent et qu'ils soient en termes d'intrigue et en termes de parcours de vie soient un petit peu plus difficiles. Donc c'est vrai que pour chacun des 4 personnages avec leur tempérament différent, je leur ai envoyé à tous des épreuves, je leur ai mis des bâtons dans les roues en fait pour ce tome 3 spécifiquement. Et du coup à ce tome 3 ça lui donne beaucoup plus de densité émotionnelle et littéraire. Et en plus il est beaucoup plus représentatif de la réalité des enfants en accueil qui de toute façon ont beaucoup de bâtons dans les roues. En ce qui nous concerne, nous la particularité de ce tome c'est qu'on a pu de fait rentrer davantage dans le détail de ce qu'on faisait. C'est vrai que les 2 premiers étaient peut-être plus sur des valeurs très générales. Et là, on est rentré dans le détail vraiment du travail qui est accompli avec les enfants, plus dans la psychologie de l'enfant, du jeune, et toutes les difficultés fortes auxquelles ils peuvent être confrontés. En 2018, je vais avoir une grosse actualité puisque mon deuxième roman va sortir chez Erol au mois de juin. Il y aura le deuxième tarot qui va sortir chez Oscar Abeo au mois d'octobre. Et le tome 4 des Anges Gardés qui sortira au mois de novembre 2018. Si vous voulez vous procurer le livre, rendez-vous sur Amazon, sur le lien qui s'affiche. Vous trouverez également les tomes précédents, tome 1 et 2, à la même adresse. Moi, pour suivre mon actualité, vous pouvez aller visiter mon site, lesmondesdecarolane.com, en minuscule tout attaché, ou vous pouvez aussi vous inscrire sur ma page Facebook, Les Mondes de Carolane. Et puis pour mieux connaître les activités de l'Union pour l'Enfance, savoir où sont placés nos établissements et leurs activités, rendez-vous sur le site www.unionpourlenfance.com. Bon Amandine, maintenant il n'y a plus qu'à se lancer dans le tome 4. Bah oui, c'est ça, l'aventure du tome 4. On est motivés. Motivés, et puis à l'année prochaine pour... À l'année prochaine pour la suite présenter le dur bébé. Pour la suite présenter le dur bébé.